un petit peu plus relax. Et on va voir donc cette deuxième partie. C'est important aussi de connaître les couleurs qui vous mettent en valeur parce que lorsque vous allez parler, si vous voulez que les gens se concentrent plus sur votre visage plutôt que sur vos vêtements, l'intérêt c'est que vos interlocuteurs soient attentifs à votre discours et non à vos vêtements. L'attention, elle est portée sur le visage et plus particulièrement sur le regard, la fenêtre de l'âme. Donc cette recherche sur les couleurs, ça se fait dans le respect total de la nature. Et notre carnation. Donc on va prendre en considération le teint de la peau, la couleur des yeux, la couleur des sourcils et la couleur des cheveux. Donc j'ai fait exprès d'ailleurs pour cette vidéo de pas trop me maquiller, j'ai vraiment fait que les yeux, j'ai juste mis l'accent voilà, sur le regard, mais là sur la peau il n'y a strictement rien du tout. On va beaucoup mieux se rendre compte de ce fait, parce que vous allez voir, je vais vous montrer le test avec des étoffes de tissu de toutes les couleurs. Là, ma couleur de cheveux, elle est totalement naturelle. Il n'y a absolument rien du tout dessus. Plus de reste de couleur ou de décoloration, plus rien du tout. Ce qui est assez drôle parce qu'en fait, quand je n'avais pas de cheveux blancs, je me colorais tout le temps les cheveux. Et maintenant que les cheveux blancs apparaissent, vous voyez, ici, on le voit super bien à la caméra. Vous voyez, voilà. Ça commence à apparaître un petit peu, voilà, sur les bordures. Eh bien, je ne fais plus du tout de couleur. Alors que mes cheveux blancs apparaissent. Mais je vais m'y remettre, en fait, parce que je trouve que c'est un peu fadasse. Voilà, j'ai envie d'apporter un petit peu plus de lumière dans mes cheveux. Mais voilà, ça, c'est ma couleur qui est complètement naturelle. Voilà, il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien du tout. Donc là, on peut constater que j'ai un teint et qui est clair mais qui est légèrement teinté beige. On peut constater aussi que la couleur de mes yeux est donc marron. Il n'y a pas différentes couleurs dans l'iris, vous savez, des fois c'est un peu le cas chez certaines personnes, moi c'est vraiment marron. Mes sourcils, alors là je les ai maquillés parce que ils sont pratiquement inexistants. Ils sont très clairsemé, clair, fin, tout ce que vous voulez, on les voit pas. D'ailleurs, dans certaines vidéos, si vous me suivez depuis un petit moment, il y a des moments où j'ai l'audace de me montrer non maquillée, vraiment très nature peinture. Et on peut constater que c'est très très fade, hein. On a l'impression que je suis vraiment super fatiguée. C'est un peu vide, c'est un peu... On a l'impression que j'ai un regard vide. Bref, on est sur un châtain clair. Châtain clair, c'est ça. On constate sur ma peau que j'ai plein de taches de rousseur. Je bronze très difficilement, on va dire que je rougis très vite. Quand bien même je bronze un peu cuivré. Ouais, j'ai un bronzage un peu cuivré. Tant et si bien que souvent les personnes pensent que j'ai pris un coup de soleil, alors que non, c'est du bronzage. Je n'aurai jamais de bronzage chocolat foncé parce que j'ai à un moment donné j'ai la mélanine qui est au taquet, hein, et qui peut pas être dans le plus foncé. Vous voyez bien à la base, hein, je suis quand même vraiment très claire. Alors moi j'ai un bronzage qui est entre le piment d'Espelette et le caramel, voyez-vous. Souvent les cheveux blonds durant l'enfance, on peut foncer un petit peu avec le temps. Ce qui a été mon cas parce que je vais vous montrer une photo de moi étant enfant. On ne rigole pas. Donc on peut voir ma photo de moi étant enfant. Là, sur cette photo, j'ai un an à peu près. On constate que j'ai enfant, je suis blonde vénitienne. C'est un blond avec beaucoup de doré dedans. Voilà, j'ai les cheveux très dorés qui, avec le temps, ont légèrement foncé et ont donné la couleur que j'ai aujourd'hui, à savoir châtain clair. Une peau plutôt claire, voilà, ça c'est ce que la nature m'a donné, de la lumière et de l'or. Pour me mettre en valeur, c'est nécessaire en fait d'accompagner cette lumière en la respectant, hein, les couleurs que je porte vers le visage, puisque c'est sur le visage que je dois attirer le regard de mon interlocuteur, les couleurs seront lumineuses. Pour ma part, ça va être tout ce qui va être orangé, jaune d'or, rouge vermillon, bleu turquoise, vert près, toutes les harmonies de blanc cassé, de beige, des marrons ou des marines chaleureux. Si, admettons, je devais choisir un gris parce que je suis dans un milieu professionnel où le gris est mieux accepté, il faut que je tente sur un gris vert ou un gris beige. Après, il faut se sentir libre de porter les couleurs qu'on souhaite, hein, en sachant que pour ma part, quand je porte des couleurs chaudes et lumineuses, je mets l'accent sur mon discours et mes expressions. Si je porte des couleurs froides, donc c'est-à-dire des couleurs à base de bleu ou très contrastées comme du blanc ou du noir,
Là, je vais plutôt mettre l'accent sur mes vêtements. La couleur, c'est en fait une traduction en douceur de ce qu'on a à dire. Et ça permet aussi d'être dans le respect de nous-mêmes et de ce que la nature nous a donné. On n'a pas toujours besoin d'être en représentation. Quand moi, je me détends, je ne mets pas nécessairement les couleurs qui me mettent en valeur. Dans ce cas, je vais me cacher un peu derrière la couleur. Je peux décider le week-end de m'habiller dans les couleurs qui me font un peu disparaître parce que ça me repose. Alors, je vous montre, je vais vous illustrer le truc en direct. Alors, je vais peut-être retirer mon micro parce que sinon, vous risquez, je risque de faire du bruit dessus. Comme là, par exemple. J'espère que vous allez m'entendre suffisamment. Parce que vous allez m'entendre correctement. Donc, par exemple, lorsque je vais mettre du blanc, vous voyez, là, voilà, j'ai du blanc. Je fais quand même très fadasse, n'est-ce pas? Alors que si je mets du blanc cassé, c'est tout de suite moins fadasse. Voilà. Donc après, vous voyez, la nuance, elle est très légère, mais je pense que là, vous voyez bien la différence. C'est pareil avec les rouges. Si je mets un rouge comme celui-ci, c'est pas top. Par contre, si il est un petit peu plus orangé, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, foncé comme ça, c'est pas possible. Vous voyez, comme ça me fait une grise mine. Avec l'or et l'argenté. Alors que si je mets de l'or, il y a quand même moins de contraste avec le reste qu'avec ça. Un rose, par exemple, je vous disais tout à l'heure, je portais du rose. Alors, ben, si je ne peux pas porter du rose bonbon comme ça, parce que c'est une couleur froide, et moi, j'ai besoin de couleurs chaudes et lumineuses. On est dans des tons d'oranger. Et mes couleurs, ça va être plutôt des choses comme ça. Vous voyez, mon bleu, il va être plutôt là. Vous voyez. Voilà, tout ça. Vous voyez, c'est lumineux, c'est chaleureux. Si je prends les mêmes couleurs qui sont, elles, composées de teintes bleutées, hein, comme on parle dans le jargon de la colorimétrie, je vais plutôt avoir des couleurs comme ça. C'est tout de suite plus foncé. Là, vous voyez, c'est tout de suite plus lumineux. On a quand même deux ambiances. Hein. C'est quand même une aide énorme parce que non seulement ça va vous aider à choisir les couleurs dans vos vêtements, mais ça va aussi vous aider à choisir les couleurs que vous allez pouvoir adopter dans le maquillage, les couleurs que vous allez pouvoir adopter dans vos bijoux, donc tous ceux que vous allez porter autour de votre visage essentiellement surtout, puis aussi par rapport à la couleur des cheveux. Voilà, si vous avez envie de toucher à la couleur de vos cheveux, de les recolorer, de les voilà, peu importe, de les rendre plus lumineux, plus chaleureux, vous allez tout de suite savoir sur quel reflet vous devez partir, sur toutes les cheveux, encadre tout le visage, vous voyez, c'est quand même important de ne pas se tromper. Est-ce que c'est pas formidable d'avoir cet outil qu'est la couleur pour vous exprimer? On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de ce travail sur l'image de soi. Ciao, ciao! Froide, hein.